nationale 35, sud-ouest de Madagascar. À l'horizon, une épaisse fumée blanche que nous décidons de suivre. Elle nous mène tout droit dans un champ en proie aux flammes. Le feu menace les habitations. Hommes, femmes et enfants se mobilisent, mais les moyens sont dérisoires face à l'ampleur du feu. Ils assistent impuissants au désastre. On va y essayer de l'éteindre, mais il faut attendre que le feu arrive au bord de ce côté-ci, car c'est difficile d'accéder au foyer. Inutile d'appeler du renfort de la commune. Le camion de pompiers le plus proche se trouve à 155 km d'ici. Chaque année, au mois de septembre et octobre, la grande île est confrontée à ce qu'on appelle la saison des feux, une période où les agriculteurs brûlent leurs champs pour défricher avant la saison des pluies. Cette culture sur brûlis, pratique ancestrale rapide et peu onéreuse, dégénère souvent en feu de brousse hors de contrôle. Ce n'est pas bien, car ça détruit l'environnement. Mais de notre côté, il faut bien que les gens le fassent pour préparer leurs champs. Alors que le feu n'est pas encore totalement éteint, la chasse aux sorcières commence. Il faut trouver la personne à l'origine de l'incendie, car c'est elle qui devra rembourser les litres d'eau dépensés par le village. Les soupçons se portent sur ce producteur de charbon, car le bois de chauffe, consommé quotidiennement par les Malgaches pour cuisiner, provoque régulièrement des feux. On va déterminer d'où vient le feu. Comme ça, on saura si c'est le charbon. Il n'y a aucun moyen pour que le feu s'échappe de mon four à charbon. Je commence à en avoir marre qu'on dise que ça vient de mon charbon. Le feu, je vous dis la vérité, il venait du nord. Feu de pâturage ou de défrichage, criminel ou involontaire, c'est ainsi que Madagascar a perdu la moitié de sa couverture végétale en 60 ans. Pourtant, le pays est considéré comme un trésor de biodiversité mondiale. La grande île abrite 5% des espèces animales et végétales de la planète. Lémuriens, baobabs, caméléons, 80% de sa faune et de sa flore sont endémiques, c'est-à-dire qu'à l'état sauvage, il n'existe nulle part ailleurs sur Terre. En plus des feux liés aux besoins quotidiens, la grande île fait face à un phénomène plus inquiétant depuis quelques années, les feux de défrichement à grande échelle. En octobre dernier, Jean-Cly découvre par hasard une cinquantaine de défricheurs dans cette forêt. Ils restent un bon moment ici. Ils habitent là pour défricher et ils mangent ce genre de choses. Nous sommes au nord du Menabe Intmen, un parc naturel protégé de 210 000 hectares. En 10 ans, la moitié de sa superficie a brûlé. On a discuté, mais comme ils étaient trop nombreux, on a eu peur. On leur a rappelé qu'ils n'avaient pas le droit de couper et ils ont répondu que c'est leur gagne-pain et que la forêt a déjà été coupée, donc pourquoi ne pas le faire ? Ils étaient tous de l'ethnie Maafal du sud. Un fonctionnaire de la région, qui souhaite garder l'anonymat, dénonce un réseau impliquant un maire, des gendarmes et un négociant surnommé Vwanz. Le maire achète plusieurs tonnes de maïs à bas prix et il le revend à un prix élevé à Vwanz. C'est de là qu'il tire ses bénéfices. Mais la commune ne touche rien sur les produits qui sortent. Tout revient au maire. Ce qui nous étonne, c'est que quand Vwanz est venu ici au mois d'août, il était escorté par des gendarmes de Murundav pour sortir le maïs. Un commerce très lucratif selon lui, dans un pays où le salaire mensuel minimum est de 50 euros. Cette saison, un cultivateur a pu gagner 7000 euros grâce au maïs produit dans la forêt. Si une personne a 50 hectares de culture, imaginez qu'ils sont des centaines. Donc, en un an, 1000 hectares de forêt peuvent être défrichés. Pourtant, ils ne cultivent que durant une ou deux saisons sur le terrain défriché, puis ils se déplacent pour défricher de nouvelles parcelles de forêt. C'est pour cela que la forêt est complètement dégradée. Petit à petit, les défricheurs fuient la sécheresse du sud pour des régions plus fertiles, à la demande des acheteurs de maïs. De son côté, le maire accusé plaide non coupable. Les gens m'accusent pour des raisons politiques.
parce que je suis un ancien député. On fait tout pour m'accuser de collecte de maïs dans les forêts protégées. Mais ce n'est pas vrai. Dans le viseur des ONG, l'entreprise Star, une filiale du groupe français Castel, leader de la production de bière en Afrique francophone, soupçonnée d'acheter du maïs illégal. À Madagascar, la Star, c'est 225 millions de bouteilles de bière par an et un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. Un employé d'ONG qui doit rester anonyme confirme qu'un des fournisseurs de la Star collecte du maïs illégal. La société Gextra se fournit en maïs ici. La Star ne vient pas directement ici, mais c'est la société Gextra qui commande pour tant de tonnes de maïs, collecte, puis revend à la société Star. Du côté de la Star, on réfute ces accusations. Ok, et Gextra se fournit là-bas. S'ils le disent, bon, on va faire des enquêtes plus poussées parce que ça veut dire qu'il faut qu'on revoie encore un peu plus au niveau des Gextra particulièrement. La fiche de traçabilité que nous mettons en place, signée, tamponnée par les autorités, à un moment donné, c'est des gens qui sont censés représenter l'ordre. Si ça ne fonctionne pas, que l'audit soit fait. Nous, on veut que notre nom arrête d'être traîné dans la boue tous les ans parce qu'il y a, on ne sait plus quoi faire des feux de forêt. Malgré les dénonciations, le réseau du maïs illégal prospère et les incendies de forêt n'ont jamais été aussi nombreux. Car dénoncer les exploitants illicites à Madagascar, c'est risquer la mort ou la prison. Le combat d'Angélique commence en 2016, lorsqu'une nuit, son mari découvre un vaste campement de coupeurs de bois dans la forêt qui entoure leur écolodge. Après avoir dénoncé leur présence, il se retrouve accusé de meurtre et doit se réfugier un temps en France. Dans la foulée, Angélique fonde l'association Razan Vouiboul à Madagascar. Depuis, le couple mène un combat acharné contre la mafia du bois. C'est une bande organisée, c'est une mafia, oui, c'est carrément une mafia. Toutes les personnes qui sont contre les chefs des trafiquants, finalement, ils vont en prison. Il faut savoir qu'ils ont envoyé déjà 14 personnes dans la forêt armées pour nous. On dormait avec le fusil entre nous. Angélique nous emmène au cœur de toutes les convoitises, Vouiboul, une des dernières forêts primaires littorales de la côte Est, qui abrite de nombreuses espèces endémiques, dont la plus petite grenouille au monde, un joyau menacé par les feux et la coupe à grande échelle. Fonds publics absents, pression, difficile de trouver des bénévoles pour prêter main forte aux 8 gardes forestiers répartis sur 2200 hectares. Sans la présence de la caméra, ils ne se seraient pas aventurés dans cette partie de la forêt. On nous a prévenu en fait dimanche que si on vient ici, ils vont nous tuer. Là par exemple, c'est un piège. Le lémurien est sur cet arbre et il coupe tout autour. Tout le bois autour est coupé. Donc du coup, il suffit de secouer et il tombe et il le récupère. Gigi aperçoit un coupeur de bois. Réveillé par le bruit, le malfaiteur s'enfuit. Les gardes se lancent en vain à sa poursuite et saisiront quelques dizaines d'arbres apaka utilisés comme bois de construction. Si nous ne sommes que deux pour récupérer ces bois déjà coupés, ils vont nous attendre et nous tuer. On ne peut pas revenir ici, sauf si on est accompagné par des autorités. Mais si ces bois restent là, ils vont forcément les transporter la nuit. Il y a 5 mois, ils ont découvert ce four à charbon et 40 sacs remplis au cœur de la forêt. Sur les sacs, il y avait le nom du monsieur, l'Éric, sur les sacs. Donc il était en flag, en fait. Il est arrivé à la DRED, ça s'est retourné contre nous. En fait, ils nous ont accusés, nous, d'avoir fait du charbon. Juste à côté, une colline entière brûlée par le malfaiteur qu'Angélique essaie en vain de faire condamner. Voilà, il a brûlé 2 fois la forêt, hein. Il mange des lémuriens et il est toujours là, quoi. Il est protégé. Tous les plants qu'on a reboisés, ils ont tout arraché. Tout le travail qu'on a fait, terminé. Ils peuvent continuer à détruire ce qu'on construit, on ne lâchera pas. Roué de coups jusqu'au sang à plusieurs reprises par des trafiquants, Dadi et Gigi tiennent bon grâce au soutien d'Angélique et Stéphane, mais d'autres n'ont pas survécu. À 400 km à l'ouest, le dernier corridor forestier de l'est de Madagascar, un parc naturel protégé. Le père de Néné et Ange
alertait régulièrement sur les coupes illégales et les feux de défrichage dans une zone protégée, jusqu'à ce qu'il soit sauvagement assassiné à l'âge de 70 ans. C'est à cet endroit-là qu'ils l'ont tué ce jour-là. C'est au pied de cet arbre, entre ces eucalyptus. Henri Rakoutouarsou avait contacté toutes les autorités. Dans une des conversations que ses enfants ont gardées, on l'entend avertir la gendarmerie de la présence d'un camion rempli de bois. Ils ne peuvent pas tout transporter en une fois. Ils vont revenir. Ils ont l'habitude de faire sortir ce bois lorsque vous ne travaillez pas le dimanche. Mais aujourd'hui, ils ont sorti ça le jour. D'habitude, ils passent la nuit. En 2021 déjà, alertés par le militant, des agents du ministère de l'Environnement s'étaient rendus sur les lieux, mais cela n'avait pas suffi à arrêter le trafic. Tous les hauts responsables connaissent les points d'entrée et de sortie des camions. Normalement, le trafic devrait être maîtrisé. La vérité, c'est que les hauts responsables sont impliqués. On reçoit des menaces de mort. Des rumeurs circulent comme quoi Henri est décédé, mais que d'autres suivront. Tintil est guide écotouristique depuis une vingtaine d'années. Il a collaboré étroitement avec Henri pour alerter sur les réseaux. Il y a un an, il crée une VOI, structure qui permet à une communauté de gérer une parcelle de forêt. Leur objectif, remplacer la structure précédente, accusée de corruption. On a créé la VOI Mial, car la VOI Manampsu ne protégeait pas la forêt, mais la détruisait. Il laissait passer des gens pour faire du défrichement, de la culture sur brûlis, du trafic de bois et de la fabrication de charbon. Moins d'un an après la création de cette VOI, Henri Rakoutouarsou le paiera de sa vie. Piégé par des habitants, il meurt poignardé à la gorge. Depuis, quatre personnes sont passées aux aveux et ont été incarcérées. Mon père a été tué parce qu'il protégeait l'environnement. La raison pour laquelle il a été tué, ce sont les trafiquants qui exploitent illicitement la forêt. C'est le fait qu'ils ne puissent plus exploiter comme avant qui a conduit au meurtre. C'est dur ce qui est arrivé à notre père. Et pour nous aussi, c'est dur, parce qu'on a perdu un parent qui nous montrait toujours le droit chemin. On ne va pas lâcher, mais on va s'efforcer de suivre son chemin. Afin de poursuivre le travail d'Henri, la VOI a fait une demande de fonds, car sans subvention de l'État, le principal obstacle des communautés reste le manque de financement. La majorité des programmes de conservation sont sous perfusion de la communauté internationale, comme ce programme de reboisement financé par l'USAID, bailleur de fonds américain. On est en plein noyau dur de l'air protégé. Ici, on a des jeunes plants plantés de baobab. Là, on voit aussi qu'il prend bien, là. Mais en septembre dernier, des criminels ont brûlé plus de 4000 jeunes plants, le fruit de 2 ans de reboisement. Certains ne sont pas contents. Parce qu'ils pensent toujours pouvoir cultiver au cœur de la zone protégée. Donc ils se retrouvent à agir contre l'association. Ils nous sabotent en mettant toujours le feu pour que les associations se découragent et qu'à la fin, ils puissent récupérer les terres protégées pour cultiver. Grâce à des pare-feux, l'association a pu sauver la majorité des jeunes pousses. Quel que soit le nombre de jeunes plants brûlés, quand même, c'est écœurant. Ça vous met en boule, quoi. Mais quelque part aussi, si on regarde au niveau de la statistique, 4000 plants, ça équivaut à peu près à 4 hectares de reboisé. Et sur une superficie estimée à 40 hectares,
qui a été donc traversée par le feu. Donc 4 hectares sur 40, ça fait quoi? Ça fait 10%. Donc quelque part, ça nous encourage à aller de l'avant. Pour venir en aide aux communautés, l'USAID finance également l'équipement et la formation de 20 brigadiers du feu chargés d'intervenir en cas d'incendie de forêt. Cet arbre-là mesure à peu près 5 mètres, donc le pare-feu doit faire environ 10 mètres. Comme ça, si l'arbre tombe, il n'y a pas de risque que le feu se propage du côté des jeunes pousses. Des formations en cascade, des équipements neufs exhibés devant la caméra. Pourtant, lorsqu'un feu se déclenche, la réalité est tout autre. Une équipe intervient dans un des 43 parcs nationaux. Bénévoles, agents du parc et citernes s'entassent dans la même voiture. Allez, on y va! On va utiliser ce grand arbre pour en faire un pare-feu, rapidement. Ils ont besoin d'arrosoir par là. Donne-moi cette hache. Et donne ça. Il faut faire un pare-feu, vite, des deux côtés. Allons-y. Par exemple, c'est très difficile d'éteindre ça avec de l'eau. Car l'endroit où on va chercher l'eau, tu vois à combien de mètres c'est? Et donc, on doit utiliser d'autres techniques pour économiser l'eau. On met un pare-feu au niveau de ce gros arbre pour que le feu n'aille pas plus loin. Une fois que le feu est entré dans la forêt, c'est très difficile de l'éteindre. Il y a toujours des risques que les feux reprennent. Ceux qui éteignent les feux travaillent beaucoup. Le peuple travaille dur. Il y a un petit animal qui brûle. Regarde ici, passe par ici. Les animaux souffrent énormément en ce moment. Ce lémurien nocturne est réveillé par le feu et pris au piège. À cause de la destruction de leur habitat, 95% des lémuriens sont en voie d'extinction. Ça ne finit jamais. Soudain, elle s'arrête pour creuser. C'est quoi ça? Un tubercule, pour manger, mon vieux. Quand nous luttons contre le feu, il n'y a rien à manger dans la forêt. On a très faim, alors nous creusons dans le sol. Pour ces bénévoles, cet incendie est une scène banale. Tous les ans, le parc brûle durant la saison des feux. Les gens des villages qui exploitent le saphir entrent ici pendant la nuit. On en a déjà attrapé pas mal. Ils sont en prison, mais il y en a toujours qui continuent. La forêt autour du parc protégé a presque disparu. Maintenant, c'est le parc qui subit. C'est aussi pour cela que la gestion devient plus difficile. Ces bois-là vont servir de bois de chauffage. L'équipe n'arrivera pas à bout du feu ce soir. Il faudra 10 jours pour éteindre les foyers dispersés dans le parc. Le feu consumera 100 hectares de forêt. Pourtant, ce trésor vert peut se transformer en véritable pilier de développement. C'est le pari ambitieux d'Ilinga Nature, société exportatrice de miel, depuis 2017. Est-ce qu'on pourrait ajouter une ruche ici? Non, parce qu'il y a une norme à respecter. 40 cm pour une ruche. Mar est un ancien vendeur de charbon reconverti dans l'apiculture. Avec une 50aine de ruches, il peut produire près de 2000 litres par an, ce qui lui permet de gagner environ 450 euros par mois, 9 fois le salaire minimum. Depuis que je suis devenu apiculteur, je n'ai pas de difficultés pour scolariser mes enfants. J'ai pu également construire une maison et acheter un terrain. La méthode d'Ilinga Nature, former, équiper et accompagner des apiculteurs. En 5 ans, la société a conquis plus de 300 apiculteurs et exporte 80 tonnes de miel de forêt en Europe, aux États-Unis et au Japon. Avant, je coupais des arbres pour faire du charbon, mais maintenant c'est l'inverse. Ça, c'est une colline d'eucalyptus que j'ai plantée. Je plante aussi du niaouli pour remplacer tous les eucalyptus que j'ai coupés avant. J'ai 15 hectares de niaouli qu'on ne peut pas toucher et qu'on protège pour que les abeilles se nourrissent. Si la filière bénéficiait d'investissements publics, elle pourrait devenir une alternative de taille à la déforestation. L'apiculture, quand on constate que c'est 10 fois plus rentable que le commerce de charbon de bois, forcément ça fonctionne. On peut s'inspirer du modèle de l'Éthiopie,
qui produit 50 000 tonnes de miel par an. C'est le plus grand producteur africain. Pour vous donner une référence, à Madagascar, toutes régions confondues, on fait 100 tonnes de miel par an. Et donc en Éthiopie, ça marche parce que tout le monde est impliqué. Le gouvernement, les autorités, la population. C'est comme ça que l'Éthiopie arrive à générer des revenus très importants de l'apiculture. Donc voilà, c'est vraiment un modèle qu'il faut suivre et mettre appliqué à grande échelle. Faire de la forêt une alliée et une ressource, c'est le mode de vie ancestral que défendent encore certaines communautés. Nous sommes dans le parc national Mikea, une forêt dense et sèche de 120 km de long. Elle abrite le dernier groupe de chasseurs-cueilleurs de Madagascar, les Mikea. Nourriture, plantes médicinales, eau, la forêt est leur source de vie. Ça s'appelle le kusua. C'est un feu Mikea traditionnel des anciens et des ancêtres. Tout Mikea doit savoir utiliser le kusua. Les Mikea disent avoir été chassés progressivement par les Massicours, un groupe voisin d'agriculteurs qui coupe et défriche. On ne veut plus nous voir habiter la forêt. Les Massicours veulent la défricher pour y planter du maïs. Nous dénonçons ceux qui coupent et brûlent. Ils nous attaquent et ils nous chassent pour que nous n'y habitions plus. Comme ça, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Alors que toute notre vie est dans la forêt. C'est tellement triste. Nous ne savons plus quoi faire. Nous dénonçons, on nous tue, nous ne dénonçons pas, nous allons disparaître. Il n'y a aucune autre issue. Maintenant, nous avons quitté la forêt et nous mourrons de faim. Réfugiés dans des villages, leur vie se résume à trouver des tubercules pour survivre. T'en as trouvé ? Oui. Lorsqu'ils ont trouvé de quoi se nourrir, la coutume est de le faire savoir. Depuis que leur forêt a été transformée en parc national protégé en 2011, ils n'osent plus s'y rendre librement. Pourtant, l'accès ne leur est pas officiellement interdit. Les Mikea ont été obligés de quitter la forêt parce que quand elle prend feu, on nous accuse, nous. Madagascar National Park va sûrement nous arrêter et ils diront que c'est nous, comme toujours, alors que ça ne peut pas être nous. À mesure que la déforestation avance, leurs ressources s'épuisent. Aujourd'hui, la communauté survit grâce à des dons qui permettent aux enfants de bénéficier d'une école et d'une cantine. Mariée à un Mikea, cette enseignante originaire de la capitale a tout quitté pour les soutenir. Où devraient habiter les Mikea ? Dans la forêt. Il faut sauver cette culture, puisqu'elle va disparaître, donc il faut la sauver. Les Mikea, en tant que peuple premier, ils devaient avoir un statut spécial de peuple autochtone. Mais je ne sais pas si Madagascar a signé cela. Est-ce que ce n'est pas une fierté d'avoir un peuple premier comme les Australiens, ils ont les Aborigènes, ou l'Amazonie, ils ont les Kayapo? Ce qui serait le mieux, c'est que, premièrement, qu'ils puissent jouir de leurs droits en tant qu'humains. La sécurité alimentaire, la sécurité, tout ce qui est sécurité. Et deuxièmement, de pouvoir peut-être vivre en tant que Mikea. Qu'il y ait la forêt qui revienne. Mais face à la logique de survie de populations pauvres et à l'appât du gain des exploitants illicites, la désertification de Madagascar semble inéluctable. Le chant et la danse sont désormais le seul exutoire d'un peuple menacé. Une identité et une fierté de soi qu'ils tentent de transmettre à leurs enfants, derniers témoins d'une culture en péril.